Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ici on se retrouve sur le parking de Cascade de Soulou qui est ici. Et ici vous voyez les travaux avancent toujours petit à petit. Hein, l'oiseau fait son nid. Le petit banga qui est mis en place ici. D'accord. On a un petit rond-point là-bas pour faire demi-tour. Et puis pour bien revenir ici pour se garer tranquillement. Donc c'est en évolution, ça avance plutôt bien, ici les travaux, ça avance très 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 bien, il reste encore à faire, mais déjà on voit l'avancée des travaux qu'il y a ici sur le parking de Cascade de Soulou. Voilà, c'est quelque chose de très propre, très favorable, ici c'est pas encore terminé, il y a du boulot. Il y a du boulot encore, donc ici on a toujours ce fameux véhicule qui était accidenté ici, donc on va aller voir un petit peu, on va aller voir un petit peu ce véhicule qui était accidenté ici. Le véhicule, il y a des gens qui sont venus faire le travail, ils sont venus dépouiller, d'accord, il n'y a rien qui reste. D'accord, le moteur parti. Le moteur est parti. Donc tous les accessoires partis. Les pneus, tout est parti. Le propriétaire il a abandonné. Ou c'est peut-être le propriétaire qui est venu tout arracher. Il a complètement renversé le véhicule parce qu'il n'était pas comme ça. C'était posé sur quatre roues et puis là ceux qui ont forcé pour arracher le moteur, ben, ils ont retourné le véhicule dans le champ du propriétaire. Bien sûr il va être très content celui-là, il va être très content de voir tout ça là. Bon, c'est l'inverse de ce que je dis, voilà, ça va pas lui faire plaisir. Voilà, l'intéressé doit venir extraire son épave. Bien sûr, il n'est pas venu. Peut-être il est juste venu récupérer les moteurs, ce qui peut se revendre. Et puis, il a laissé le véhicule dans le champ. Vous voyez, là, ça, c'est un champ. Hein. Donc, le propriétaire, il a laissé son véhicule dedans.